Charles III présent à la messe de Pâques? Oui, mais à une condition. La couronne ne rate jamais la messe de Pâques. Malgré son cancer, le roi Charles III sera présent à la cérémonie, ce dimanche 31 mars. Mais contrairement à son habitude, il se tiendra à l'écart du reste de sa famille. Une messe particulière. Cette année, la messe de Pâques serait quelque peu chamboulée. Elle se déroulera bien ce dimanche 31 mars à la chapelle Saint-Georges de Windsor, mais Charles III ne prendra pas sa place habituelle. Il assistera au service assis à l'écart du reste de la famille royale afin de préserver sa santé et sa sécurité, a révélé The Telegraph. Et pour cause, le roi lutte depuis plusieurs semaines contre un cancer, il n'a pas révélé duquel il s'agissait, qui a été découvert après son opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Depuis, le monarque suit un traitement pour se soigner. Il se fait très discret auprès des médias et a mis ses fonctions royales de côté. Ce sont la reine Camilla et la princesse Anne qui ont pris la relève et ont représenté le roi lors d'événements. Tous les regards seront braqués sur le roi. Cette apparition publique à la cérémonie religieuse sera donc sa première à l'extérieur du palais de Buckingham. Mais il y aura 5 grands absents à la messe de Pâques. Contrairement à leur habitude, Kate Middleton, William d'Angleterre et leurs 3 enfants George, Charlotte et Louis n'assisteront pas à la cérémonie. Et pour cause, Kate Middleton a annoncé être atteinte d'un cancer et suit donc un traitement de chimiothérapie. La princesse de Galles est en convalescence avec sa famille dans leur résidence de campagne d'Anmer Hall, située dans le Norfolk. Kate Middleton et Charles III très proches. Après leurs opérations respectives, Kate Middleton et Charles III se sont fait discrets afin de poursuivre leur convalescence. Puis ils ont chacun leur tour annoncé qu'ils souffraient d'un cancer. Un double diagnostic de cancer qui n'a fait que rapprocher la princesse Kate et Charles III face à l'adversité. Il existe une relation très forte entre Sa Majesté et la princesse de Galles. Ils sont très proches, et encore plus en ce moment, a confié une source royale auprès du Times. Juste avant la diffusion de sa vidéo, la princesse a d'ailleurs pu compter sur le soutien de son beau-père puisqu'il est venu déjeuner avec elle. Un repas inhabituel en tête-à-tête que Charles III a quitté, avec beaucoup d'émotion, a indiqué une source au Mirror, le 24 mars dernier.